Vincent, je repasse cette guitare-là. C'est Vincent, tu devras, je m'étrangle là. La prochaine chanson a été écrite pendant les révisions du bac de philo. Donc, c'était il y a longtemps. Et c'est une chanson, donc évidemment, vu qu'on révisait Descartes et autres Platon, c'est une chanson qui est évidemment très intelligente et qui n'a rien à voir avec la philosophie. C'est une chanson sur un petit œuf de Pâques qui a été en fait oublié par les enfants qui cherchaient les œufs de Pâques dans le jardin. Et du coup, qui reste dans le jardin et qui se venge. Je connais ça. Tu connais ça? Ok. Là, il faut imaginer l'œuf de Pâques. Dans un jardin, au mois d'avril, on a caché discrètement de petits œufs pour les enfants. Mais combien y en a-t-il? Y en a-t-il 100? Y en a-t-il 1000? Ou bien encore davantage, camouflés dans le paysage par de grandes personnes habiles? De grandes personnes habiles. Car ça y est, les cloches ont sonné. Et les enfants se précipitent pour aller chercher au plus vite les petits œufs chocolatés. Le jardin est un vrai carnage, car ils ne font pas de quartier des lapins d'or dissimulés qu'ils découvrent sur leur passage. Les œufs ont été trouvés, ils s'en retournent à la maison, mais hélas, il y a dans le fond un petit œuf encore caché sous une frêle feuille morte. Il attend sagement son heure, plus le temps passe, plus il a peur, et personne ne le réconforte. Les jours passent et il désespère que personne ne le trouvasse. Et bien caché dans sa crevasse, il pleure et ne sait pas quoi faire. Et l'été passe et il ramollit et maudit les enfants ingrats qui sont devenus gros et gras. Malheureusement, mais sans lui. L'hiver arrive et il durcit dans son beau papier argenté. Sous la neige, il est caché et il reste dans l'oubli. Mais voilà qu'avril revient et l'on recache les friandises dans le jardin. Plein de surprises attendent les petits bambins. Petit œuf, dans son cercueil, avait perdu tout espoir. Un jour de ses petits yeux voir un enfant soulever sa feuille. Mais voilà que Barnabé, 5 ans et demi, presque 6, décide d'abréger le supplice du petit œuf périmé. Ah oui, périmé. Et le voilà qui s'empare du petit œuf victorieux, qui plein de haine dans les yeux rattrape son année.
de retard dans... Mais la date de péremption étant largement dépassée, on voit le pauvre Barnabé souffrir d'intoxication. Intoxication. Dans son estomac, on peut voir un petit œuf bien content qui peut finalement, un an après, crier victoire, ah, 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 ah.